L'entretien entre Emmanuel Olita Wendongo, président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, et Kian Xiaozhang, premier conseiller de l'ambassade de Chine au Congo, a porté sur la tenue en juin de l'année en cours de l'Assemblée générale axée sur la lutte contre la corruption au plan international. Nous avons d'abord été honorés par nos amis chinois qui sont venus nous donner une information relative à la tenue d'une grande assemblée en matière de lutte contre la corruption qui aura lieu à New York du 2 au 4 juin prochain. Et il était normal, dans le cadre de nos amitiés et de notre coopération habituelle, qu'il nous amène, qu'il nous donne cette information. Donc l'information a été partagée. Nous allons travailler ensemble pour la réussite de cette grande assemblée qui aura lieu à New York. Les deux personnalités sont également déterminées à renforcer la coopération dans la lutte contre la corruption, a laissé entendre le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Wendongo.